on dit Boudabar? Non, c'est pas ça, c'est... Cheese. Ok, super. Parfait. Merci. Bonjour Bernard. Bonjour Olivier. Tu vas bien? De mieux en mieux? Ça va, c'est bien. Ouais, t'es bien assis sur la chaise? Oui. T'ouvres bien ça. Ok. Et je vais te demander de fixer un point au mur, une lampe, une ampoule, et de te concentrer totalement dessus. Et, en même temps, on va utiliser la liaison et sans arrêt. Parce que dire tu vois la lumière, tu entends les bruits, tu sens le contact, c'est pas pareil. Et pendant que tu entends, et pendant que tu vois, et pendant que tu ressens. Parce qu'on oblige à garder les trois en même temps, et on va sans ça, tu vois. Et pendant que tu fixes ce point au plafond, et que tu ressens le poids de ton corps sur la chaise, les pieds bien ancrés dans le sol. Le sol, comme cette terre nourricière, d'où germe tout projet, pour pouvoir alimenter les graines de ton subconscient, pendant que les pensées s'accrochent et se décrochent, ça y est, il est déjà à moitié. Et que tu entends les bruits, et que tu ressens les sons, et que tu sens le corps sur la chaise, bien ancré, bien assis, les points de contact, nanana, 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 et que tu regardes la lumière, que tu fixes ce point lumineux, et que tu vois comment il est, le halo, la taille, la couleur, la luminosité, et que tu sens le point que tu as sous les pieds, sous chaque pied, et que tu sens le contact sur le dossier. Je t'invite à prendre une grande inspiration et en soufflant à rentrer 10 fois plus profondément dans cet état de relaxation. Voilà, je change le ton pour parler au subconscient. Et à chaque fois que tu inspires, tu rentres plus profondément dans cet état de détente, en saupoudrage. Voilà, et tu profites et apprécies cet état de reconnexion avec toi-même. Voilà, comme il est agréable de se blottir à l'intérieur de soi. Vous voyez, je reprends les phrases pour extraire qu'on a vu hier. Voilà, et de profiter de ce moment privilégié où tu peux oublier tout ce que tu n'appréciais pas et tu peux même apprécier tout ce que tu n'avais pas oublié en même temps que tu te demandes si effectivement il est important de se souvenir d'oublier, d'oublier de se souvenir tout ce que je ne t'ai pas dit, de ne pas oublier au moment même où je ne t'avais pas dit, de ne pas te souvenir. Voilà, et tu rentres dans un état 10 fois plus profond. 10 fois plus profond. Voilà. Et tu vas pouvoir prononcer mentalement le mot alpha 1, 2, 3. Alpha 1, 2, 3 mentalement dans la tête. En boucle pendant une vingtaine de fois. Et à chaque fois que tu prononceras alpha 1, 2, 3 dans n'importe quel lieu, en n'importe quelle circonstance, en présence de n'importe qui, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, tu rentreras dans le même état d'approfondissement que maintenant. Et lors de la prochaine séance, les participants pourront te demander de prononcer mentalement 1, 2, 3. Alpha 1, 2, 3 pour entrer dans le même état à chaque séance que tu feras. Simplement, j'ai mis un fusible, c'est lui qui le prononcera. C'est que quand toi tu diras Alpha 1, 2, 3 que tu retrouveras cet état, pour pas que quelqu'un prenne le pouvoir sur lui. Voilà on va dire l'éthique de l'hypnose. De ne pas dire quand je dirai Alpha 1, 2, 3, mais c'est toi qui diras. Et donc, à la séance d'après, il suffit de lui faire dire alpha 1, 2, 3, il retrouve ce niveau-là. Et on va l'amplifier après ce niveau-là. On va l'amplifier soit en refaisant quelque chose de sensoriel, soit en faisant la lévitation des mains, soit avec la montgolfière, soit en faisant descendre l'escalier, soit en prenant le bras. On verra les techniques de renforcement cet après-midi. Mais moi, je vais carrément gagner du temps en disant tu retrouves la chose, le tas de la dernière fois, comme quand j'ai fait 3, 1, 2, 3, sauf que là, je ne prends plus le pouvoir, c'est lui qui le fait. Et j'approfondis après. Je continue avec les inductions, mais pas pour induire, mais pour aller plus loin. Et à chaque séance, je vais plus loin. Et à chaque fois que tu feras des séances d'hypnose, que ce soit cette semaine, ou au fur et à mesure, des jours.
tu iras plus rapidement et plus profondément en hypnose à chaque fois. Et à chaque fois que tu feras des séances d'hypnose, tu iras mieux, de mieux en mieux, à chaque fois. Et ce n'est que le début. Tu vas te réveiller à 10, en pleine forme, totalement reposé, frais et dispo, te sentant mieux qu'auparavant. Et il en sera ainsi à chaque fois que tu feras des inductions ou des séances d'hypnose. À 10, totalement éveillé. 1, 2, 3, 4, 5, les pieds au sol, 6, le dos sur le dossier. 7, tu peux sentir le dos, les points de contact également des jambes et des pieds au sol pour reprendre possessivement contact avec ton corps. Je reste aussi. 8, tu peux bouger les mains, les pieds, les jambes, la tête. Revenir ici ce mercredi 11 janvier 2015. Février, pardon, à Blagnac, à 11h01. 9, prendre une grande inspiration. Voilà. Et à 10, tu ouvres les yeux. Totalement frais et dispo. Kiss. Bonjour. Bonjour tout le monde. Comment c'était? C'était bien. J'écoutais même plus les paroles. Voilà. Pour ça que j'ai dit ta-ta-ta, ta-ta-ta.